Salut les quadistes, aujourd'hui lundi 6 août 2018, la question du jour sera la suivante. En fin de semaine, lors de notre dernière randonnée, moi et mes amis, dans la réserve faunique des Laurentides, dans une balade de 320 km, on a un de nos amis qui a eu des petits pépins avec son quatre roues, avec son quad en montant vers la tape. Après à peu près une heure de gossage, on a réussi à trouver le trou pour qu'il continue sa randonnée avec nous et à revenir sur son pouvoir. Mais dans de pareilles situations, c'est quoi que vous pensez faire, vous, si vous n'êtes pas capable de réparer le quad? Soit trouver une place, le serrer dans le bois, venir le chercher le lendemain, c'est sûr qu'il y a un parking d'autres continuer, ou on essaie de le réparer le plus rapidement possible qu'il continue sa balade, mais en même temps, on hypothèque notre journée pas mal, parce que là, c'était une journée de 320 km aller-retour. Sur ça, je veux savoir c'est quoi vos réponses la plus logique. Probablement que, comme moi, j'avais pensé, l'amener dans une place, coller un de ses amis, une remorque, nous faire remorquer. Bref, c'est quoi vos idées là-dessus? Merci bien, bye!